Monsieur le ministre, auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé. Monsieur le secrétaire général de préfecture, représentant monsieur le préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou. Excellence, madame l'ambassadeur du Cameroun, près de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, monsieur l'ambassadeur d'Israël, près de la République de la Côte d'Ivoire. Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Guinée, près de la République de Côte d'Ivoire et la délégation qui l'accompagne. Mesdames et messieurs, les membres de l'autorité préfectorale. Honorable monsieur le député Hilaire Mélèche. Monsieur le président de la Chambre régionale des chefs traditionnels de la région des Grands Ponts. Monsieur le représentant du président du Conseil régional des Grands Ponts. Monsieur le premier adjoint au maire, représentant le maire de Dabou. Distinguées autorités administratives et coutumières. Honorables invités, en vos rangs et grades respectifs. Chers partenaires des médias. Chers parents de Dabou. Je tiens tout d'abord à exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à M. Essis Esmel Emmanuel, président du Lodjokrou Festival, qui nous fait l'honneur de nous inviter à la présente édition du Lodjokrou Festival. C'est avec une joie réelle que nous participons à ce grand rendez-vous culturel dont le thème est « Valeurs culturelles et promotion humaine ». La grimpée du palmier et l'extraction de l'huile de palme auxquelles nous venons d'assister ont été absolument remarquables. Depuis 150 ans, le groupe Heineken, auquel nous appartenons, peaufine son histoire, son art et sa culture du brassage de bière de haute qualité à travers un savoir-faire transmis de génération en génération. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est à Brassivoire qui a été confiée cette noble mission de faire vivre la meilleure expérience de la bière aux Ivoiriens. Depuis 3 ans, entre respect des traditions et esprit d'innovation, nous sommes fiers de proposer une large gamme de bières de qualité à la Côte d'Ivoire. Mais nous faisons plus que commercialiser nos produits. Nous nous situons au cœur d'un projet de valeur partagée qui nous emmène à participer à l'animation de nos villes et villages et soutenir la valorisation de notre culture, comme le Zouglou et des festivals comme le Lodjokrou Festival. Dabou occupe une place très particulière dans notre cœur. Le riche patrimoine culturel, ajouté à l'hospitalité de nos parents de Dabou, ont constitué le ciment qui nous unit à cette belle cité. Permettez-moi à ce stade de mes propos de traduire notre plus sincère gratitude et nos remerciements aux autorités de Dabou qui nous offrent à nouveau l'agréable occasion de communier en toute fraternité et convivialité autour de notre portefeuille de marque. Nous sommes très reconnaissants pour ces moments uniques d'échange que vous nous permettez de vivre. En retour, nous mettrons tout en œuvre avec nos marques, la bière ivoire en particulier, pour que le Lodjokrou 2020 reste gravé dans les mémoires. Notre représentant commercial et toute son équipe, en collaboration avec le comité d'organisation, sont prêts. Les tables sont prêtes, le son et lumière est prêt, les orchestres avec les artistes en vogue sont prêts, et bien sûr, vos bières préférées, Ivoire, Ivoire Spécial, Ivoire Black, Heineken, Desperados, Class Music sont évidemment disponibles. N'hésitez donc pas à vous enjailler entre amis avec vos bières préférées, toujours de façon responsable, avec modération, sans excès. Nous ne saurions terminer notre propos sans manifester notre reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou Gon-Coulibaly, pour son investissement personnel dans les actions de développement des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est aussi pour nous l'occasion de remercier Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Bandama Maurice,
pour son soutien distingué à cette manifestation. Chers festivaliers, nous vous remercions vivement pour votre présence remarquée et nous vous souhaitons d'agréables moments festifs avec nos marques, Ivoire en particulier. Vive le Lodjekrou Festival, vive Dabou et bonne fête à tous.